Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage du mois de février, un tirage énergétique et puis on va voir ce que ça va nous donner. Alors, pour ce mois de février, on n'a quand même pas un tirage extraordinaire. Hein. Bon, clairement, au moment où je tire les cartes, hein, c'est-à-dire que nous sommes le 28 janvier, il n'est pas encore question d'un reconfinement. Ça n'a pas été annoncé. En revanche, là, vu les cartes que j'ai l'annonce d'un enfermement, j'ai des grosses difficultés et des grosses contraintes sur le travail. Mon ermite sur tout ce qui va être les contrats, j'ai la justice aussi sur l'ermite. Enfin, voilà, j'ai vraiment des cartes qui me montrent que ça va pas être simple, ça va pas être facile. Sur le jugement, j'ai l'enfermement aussi, hein, j'ai l'annonce, voilà, clairement, j'ai l'annonce d'un enfermement. Donc on va retourner sur un confinement. J'en ai absolument plus aucun doute. Moi qui suis une grande douteuse, eh bien, je ne doute plus. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on voit bien que psychologiquement, déjà, c'est compliqué si on n'est pas entouré. Voilà. C'est ce que dit le tirage. C'est-à-dire que comme on sent les choses venir, il y a pas mal de gens qui ont quand même décidé que malgré tout, on allait s'ouvrir au monde, que malgré tout, on allait continuer à faire la fête, à voir des gens, que on allait quand même réapprendre à s'épanouir. Et là, psychologiquement, il y a un vrai besoin de retrouver un épanouissement, de retrouver quelque chose qui, voilà, qui s'ouvre de la vie, en fait, tout simplement. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de le lire aussi de façon négative qui vient confirmer finalement ce que j'ai vu, puisque eh bien, on nous oblige à un enfermement, hein, y a un blocage sur l'épanouissement, il y a un blocage sur la vie, il y a un blocage sur, voilà, sur l'extérieur, sur les rencontres. Donc vraiment, on vient nous enfermer et nous empêcher d'être. Alors, ça va être à nous de faire le choix. Hein. Là, c'est individuellement que ça va vraiment se jouer à partir de février, dans le sens où c'est individuellement eh bien, que les choses vont se mettre à bouger ou pas. Alors, je parle de bouger au sens intérieur. C'est-à-dire que j'ai quand même mon étoile qui est à la bonne place. Et mon étoile à la bonne place veut dire qu'il y a une possibilité d'épanouissement. Il y a une possibilité de se défaire de ces angoisses, de se défaire de ces énergies de laisser couler, hein, de laisser aller ces énergies négatives. Il y a une vraie possibilité à partir du moment où chacun travaille sur ses émotions, sur sa propre guérison. Donc là, on est vraiment sur faire le choix, hein, et se donner les opportunités de guérir, de mieux communiquer avec soi, de mieux se protéger, de mieux comprendre ses propres émotions de façon à les vider pour se sentir aller mieux. Et ça, ça passe aussi, c'est exprimé aussi ici par la roue de la fortune, parce que la roue de fortune, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il est temps de faire le mouvement d'aller vers une meilleure communication intérieure, d'aller vers une guérison. Le 14, c'est aussi le chiffre de la guérison. Donc, d'aller vers une meilleure communication intérieure, une meilleure communication avec soi. Et donc, psychologiquement, j'aurais tendance à dire que, eh bien, c'est vous qui allez décider de vous transformer ou de ne pas vous transformer, sachant que les blocages sont sur la mort. Hein. Donc, les blocages, la psychologie le lâcher prise, etc., c'est placé sur l'arcane sans nom, c'est
d'accepter une transformation pour débloquer les choses, pour se sentir mieux, pour laisser aller ce qui bloque à l'extérieur, de façon à se dire bon, ok, ça bloque à l'extérieur, mais c'est pas parce que ça bloque à l'extérieur que ça bloque à l'intérieur. Donc on est vraiment sur faire le choix. Faire le choix, en plus on rentre dans le mois de février, hein, on rentre dans le mois 2, donc vraiment on est sur la dualité, sur qu'est-ce que je choisis pour moi, comment est-ce que je me regarde, comment est-ce que j'avance, dans quelle porte j'ouvre pour moi-même. Voilà. Alors, je pense que pour certains, ce confinement va être très bien vécu, pour d'autres, pas du tout, mais c'est seulement un choix. Au-delà de ça, qu'est-ce que ce tirage, de quoi il vient nous parler? Il vient aussi nous parler beaucoup, je trouve, de nos attachements négatifs, des choses qu'on a mis en place et qui nous empêchent de bouger, de faire ce qu'il faut. Alors, quand on parle des attachements négatifs, de ce qui nous lie, de ce qui nous relie, eh bien, forcément, ça veut dire qu'on nous parle de choix à faire, qu'on nous parle pas seulement de choix, mais aussi de, à partir de maintenant, qu'est-ce que je décide? Comment est-ce que je tranche dans certaines habitudes que j'ai, dans certaines façons de procéder que j'ai, dans certaines façons de penser, dans ma façon de travailler, comment est-ce que je me remets en question, de façon à ce que cet écroulement qui est en train de s'annoncer là, et cet enfermement, eh bien, il soit évolutif et porteur de choses intéressantes pour moi. Alors, je vais aller demander des compléments d'information pour essayer de détailler un petit peu les choses. Donc toute la première partie, donc là on nous parle vraiment, hein, j'ai la carte qui vient de tomber, hein, c'est l'as d'épée qui est tombée à l'envers en plus. Donc on vient vraiment nous parler, donc ça c'est comme si j'avais l'énergie ici du tirage, on vient vraiment nous parler de cette capacité de réflexion qui a tendance à être enfermée. C'est-à-dire qu'on se laisse enfermer dans notre esprit, par tout ce qui nous est dit à l'extérieur, qui peut être très contradictoire d'ailleurs, et qui, lorsqu'on a des injonctions contradictoires, des choses qu'on ne comprend pas, eh bien on a tendance à ne plus bouger, à se mettre dans l'inertie, à ne plus rien comprendre. Donc là, on a vraiment du mal à comprendre, et on ne voit pas d'issue mentale à la situation. Et justement, c'est ce qu'il va falloir justement trouver, c'est-à-dire on nous amène dans tout le tirage là à justement repenser notre façon de nous sentir, de nous ressentir, repenser notre façon de vivre, nos habitudes, les choses qu'on a mises en place et que peut-être on peut maintenant laisser tomber, les nouvelles choses à mettre en place aussi. Donc ça c'est, voilà, ça vient perturber, cette annonce vient perturber notre capacité mentale réflexive, hein, à réfléchir à toutes les potentialités qui pourraient exister, puisque c'est l'as, hein, ce sont toutes les potentialités, toutes les nouvelles choses qui pourraient arriver, toutes les nouvelles pensées que je pourrais avoir, toutes les nouvelles choses que je pourrais créer par ma pensée, et bien là, on a une difficulté par rapport à ça. Donc, justement, on va aller regarder. Ce mois de février va nous fatiguer. Ça va nous fatiguer, ça va nous épuiser. On sort quand même sur la lune, on sort sur les angoisses. Et en plus, ajouté au 5 de denier, hein, qui est une forme de pauvreté, c'est-à-dire une forme de détresse. C'est clair que si on nous reconfine, et ça a l'air d'être le cas, financièrement, pour beaucoup de gens, ça va être très très compliqué.
On peut aussi entendre la lune comme étant un déménagement et un conflit. Donc là, potentiellement, avec les difficultés financières qui s'annoncent, pour certains, ça va être très, très, très difficile et ça va être très problématique. Hein, ça va vraiment créer des pauvretés, des difficultés. Si on n'en va pas jusque-là, au niveau émotionnel, en se plaçant sur l'émotionnel, on sent bien que ça nous assèche. Ça nous assèche émotionnellement, on se sent appauvri émotionnellement, très clairement, on se sent appauvri dans nos sens, dans nos sentiments, dans notre richesse intérieure, dans notre richesse de rencontres aussi, hein, voilà, notre entourage qu'on ne peut pas voir, les grands-parents qu'on ne peut pas aller voir, les amis, la famille, etc. Donc on se sent vraiment assez seul, isolé, rejeté, acculé. Voilà, au-delà de ça. Mais de façon très concrète, on a aussi des problématiques financières. Alors, dans mon centre de tirage, puisque toujours je commence par là, je vous ai déjà expliqué l'énergie, donc là, on nous parle de maîtrise de soi, de maîtrise des émotions, de maîtrise de pas mal de choses d'ailleurs, de façon à être pas dans la force, pas dans le côté guerrier. Bah oui, effectivement, on nous parle de toutes les potentialités avec l'as de coupe. On nous parle de toutes les potentialités émotionnelles qui peuvent s'ouvrir lors de cette période, de ce mois de février. Donc pendant ce mois de février, on nous dit que voilà, si on maîtrise plutôt bien les choses, au final, il y a de très très belles émotions, de très beaux sentiments, de très belles énergies qui vont sortir de ce mois de février. Alors, dans un premier temps, cet enfermement, hein, qui nous est annoncé, alors c'est assez intéressant parce que du coup j'ai le 3 de coupe sur la tour, et ce 3 de coupe sur la tour, il vient nous dire que ben, quelque part, il était attendu. C'est pas une surprise de se retrouver dans la situation dans laquelle on est, et que maintenant, eh bien, on a envie émotionnellement de prendre soin de soi, de se retrouver. Il y a une forme de festivité, de se dire, bon, bah, c'est bien, très bien, maintenant on y est, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour moi-même? Donc il y a une forme d'espoir, hein, il y a une forme d'espoir de se dire, bah, c'est un peu comme des vacances, alors c'est vrai que ça tombe sur la période des vacances, donc il y a quand même une envie d'aller se retrouver, une envie d'aller braver les interdits pour se dire, bah oui, on va mettre de l'énergie, on va mettre de la bonne humeur, on va mettre tout ça. Il y a cette envie qui est là. Et puis, dans cette envie, dans cet espace-là, eh bien, effectivement, il y a une recherche de stabilité émotionnelle. Il y a une recherche de stabilité émotionnelle, mais on sent bien que cette recherche de stabilité, elle est sérieuse. Hein, parce que juste à côté, moi j'ai mon 6 de coupe qui est retourné. Et donc on est plus sur de l'amusement, on n'est plus sur de la découverte, on n'est plus sur du jeu, on n'est plus sur quelque chose de léger. Hein. Donc on arrive sur une recherche de stabilité émotionnelle, mais c'est un peu comme si c'était, ben on sent bien qu'il faut quoi, on n'a pas trop le choix, il faut qu'on trouve cette stabilité émotionnelle, parce que si on la trouve pas, ben effectivement on va assez rapidement péter les plombs. Alors très rapidement, hein, au niveau matériel, alors ça c'était au niveau émotionnel, hein, au niveau intérieur, au niveau extérieur, au niveau matériel, on se sent un peu dépassé, quoi. C'est même plus que dépassé, c'est que la charge, elle est là, quoi. Il y en a trop. C'est trop, c'est trop. Voilà. Donc, on en a un peu marre et on sent bien que derrière il y en a marre, il y a un besoin de transformation. Il y a vraiment un besoin de changer les choses parce que on est débordé par trop d'émotivité, trop de choses qu'on ne comprend pas, trop de complications sur plein de trucs, trop d'incohérences. Et donc là, on sent qu'on a vraiment besoin de transformer les choses et que les choses changent. On ne va pas pouvoir vivre comme ça encore, pinam aeterna. Alors, s'installe une réflexion, hein, une réflexion sur le travail, mais pas seulement sur le travail, sur la façon d'être, sur la façon de diriger sa vie, sur la façon de gérer.
de gérer intérieurement et extérieurement, hein, parce que c'est pas juste. Mais on est vraiment sur une réflexion, et sur une réflexion qui va devenir matérielle, parce que on rentre dans les bâtons, et les bâtons, c'est la matérialité. Donc, si on était sur quelque chose de plutôt introspectif, de plutôt spirituel, en étant sur la place du pape, eh bien, finalement, on se retrouve avec deux bâtons, hein. L'ermite, il a quand même un bâton, il a les deux. C'est-à-dire, comment est-ce que sa réflexion peut s'ancrer dans la matière? Et justement, on a toutes les potentialités de la matérialité avec l'as de bâton. Donc, du coup, on va vraiment être amené à réfléchir très concrètement sur notre passé, sur notre façon d'exister. Comment est-ce que je deviens mon propre guide pour me permettre d'obtenir des potentialités matérielles et me créer, en fait, me créer autrement, dans la création, dans la créativité, autrement. Utiliser mes ressources du passé, comment est-ce que je réfléchis tout ça pour pouvoir me créer de façon différente. Donc là, il y a vraiment ce besoin progressif. D'abord, on essaye de trouver une stabilité émotionnelle, c'est très logique au final. Et dans cette stabilité émotionnelle, on va aller chercher des possibilités de création nouvelle. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que derrière ça, on se retrouve avec notre empereur qui doit faire des choix, hein, donc on a des choix à faire, mais on a des choix à faire, surtout il faut poser le mental. Hein. Le 5 d'épée, c'est le repos, c'est le besoin de méditer, c'est le besoin de calmer la pensée, hein, d'avoir une pensée claire, une pensée structurée, de veiller à ce que cette pensée, elle soit matériellement intéressante. Donc, on a réfléchi, on s'est dit qu'il fallait trouver des potentialités. On va maintenant se poser dans la réflexion pour que ces potentialités nous permettent de faire le bon choix. Et de faire le bon choix, c'est-à-dire soit matériellement de redevenir, et c'est intéressant que ces deux cartes-là soient sorties sur le choix, justement, hein, sur le choix au niveau des activités. Donc là on a les activités, là on a le choix sur les activités, et ce choix sur les activités, il doit être influencé quelque part par, eh bien en fait, matériellement, hein, donc matériellement, économiquement, mais surtout matériellement, dans les possibilités matérielles, sur une forme d'abondance, que cette forme d'abondance soit matérielle. Mais aussi, pas seulement, c'est-à-dire que sur c'est les bâtons, qu'il y ait la créativité, que cette créativité puisse emmener d'autres. C'est-à-dire qu'elle soit une forme de créativité de groupe. De créativité qui permette à d'autres aussi de s'en sortir. Donc on est sur des choix qui ne sont pas seulement des choix personnels, mais qui sont des choix de société quelque part. C'est-à-dire que maintenant, au niveau de mon travail, de ma société, de ma boîte, de mes collègues, de la société aussi amicale, hein, pas seulement, mais comment est-ce que concrètement je fais en sorte de me mettre à l'abri, comment est-ce que concrètement on crée quelque chose de nouveau pour avancer autrement. Alors ça veut dire aussi faire des choix de manière très construite, réfléchie, des choix mentaux. Hein, on est vraiment sur du choix mental. Eh bien, de faire des choix de trancher. C'est-à-dire qu'à un moment, le choix, il va falloir qu'il soit tranché, hein, sur la justice. Il faut avoir cet aplomb, cette certitude de pouvoir trancher mentalement et clairement, de façon très claire, de savoir quelle direction on prend et de s'y tenir. Parce que tout ça va impliquer forcément de retrouver un autre équilibre, une autre façon de se rassurer. Hein, notre reine de Pentacle, notre reine de Denier, celle qui normalement maîtrise matériellement les choses, maîtrise la création, eh bien là, elle est en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'elle maîtrise rien, simplement, elle a besoin de trouver un nouvel équilibre. Donc, dans notre réflexion, puisqu'on est quand même sur un mois qui est beaucoup sur... on n'est pas tellement dans le déséquilibre finalement, on est beaucoup sur le denier aussi, on nous parle beaucoup d'argent, on nous parle beaucoup de créativité. On est assez équilibré sur les quatre, on manque un peu de coupe, mais on est assez relativement... Non, même pas. On est assez équilibré
sur les quatre couleurs. Donc, on va avoir vraiment besoin de trouver aussi un équilibre par rapport à tout ça, que ce soit dans notre créativité, dans notre matérialité, dans notre émotivité et dans notre réflexion, dans notre mentalité. Donc, à chaque fois, ça se joue là-dessus, hein. Évidemment, au niveau financier, il y a des aides, il y a besoin de soigner les choses. Là, il va falloir repenser complètement les choses. Donc, c'est pas un mois qui va être forcément difficile. Alors, si vous êtes déjà dans des difficultés financières, évidemment, on ne peut pas dire que ça va être forcément beaucoup plus florissant. Mais en tout cas, on n'est pas concrètement sur un mois difficile. Disons que on est plutôt sur un mois financier où on va avoir tendance à ramener l'argent le plus possible au sein de la famille. On ne va pas se disperser. Ça ne va pas être un mois où on va dépenser de l'argent. Pas du tout. Hein, on est sur un mois où, au contraire, on va rééquilibrer les dépenses. Et puis, bah, le 10 de Pentacle, c'est aussi l'abondance au sein de la famille. Donc, c'est les échanges retrouvés à l'intérieur. Hein. On voit vraiment que, là, si on regarde la carte, je la trouve assez éloquente, cette carte, par rapport à ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que c'est vraiment la famille, c'est cultiver, c'est le marché, c'est revenir aux choses simples pour s'assurer une abondance, en fait. Hein. Donc, on va pas être. Pour le commerce, ça va pas être génial parce qu'il va pas y avoir beaucoup de commerce. Les gens vont pas acheter n'importe quoi, ils vont acheter la survie, l'essentiel. Donc c'est vraiment, et c'est ce sur quoi on doit se focaliser, hein. C'est aussi ce que dit le mois de février, c'est ben voilà, il est temps de se poser là-dessus. Alors celui-ci, je vous en ai parlé dès le départ, donc on va continuer. Là, évidemment, dans les blocages, bah oui, on est dans du conflit intérieur, on est dans des conflits de créativité, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne sait pas comment le faire, donc ça va se tirer un petit peu partout dans les pattes. Oui, voilà. Ça me paraît évident. Alors, en termes de transformation, on nous parle évidemment de blocage. On a du mal à trouver une porte de sortie. On a du mal à aller vers de la nouveauté. En même temps, on nous parle de lâcher prise, hein, donc l'idée, c'est de transformer les choses, sa vie, sa façon d'exister pour justement trouver de nouvelles potentialités matérielles. Elle est à l'endroit, elle nous parle, l'as de denier nous parle de potentialités matérielles, de capacité, hein, de richesse. Donc là, il va falloir, alors richesse, c'est pas juste matériel, hein, c'est aussi une richesse affective, c'est aussi une richesse créative, une richesse spirituelle. Donc là, on nous parle vraiment de transformer les choses, de se transformer nous-mêmes pour arriver à recréer une potentialité de richesse intérieure. Sur la guérison, j'ai vraiment le besoin de guérison émotionnelle. Donc ça, on en avait parlé tout à l'heure. Elle vient confirmer les choses par rapport à ça. Donc là, c'est à vous, hein, de ne pas vous laisser faire pour aller retrouver une forme de douceur, de fluidité dans vos émotions. Voilà. Alors, là, ce qui est assez intéressant, c'est que on sent vraiment que dans nos attachements, dans nos liens négatifs, on est vraiment sur un besoin de recréer du lien, de recréer du lien avec les autres, du lien au niveau commercial, du lien au niveau émotionnel, du lien au niveau sensoriel. Donc là, on nous parle vraiment Alors, on est vraiment dans du mental en plus, hein, c'est-à-dire que nos angoisses, ce sont des angoisses de solitude, ce sont des angoisses d'enfermement. Et là, on nous dit qu'il va falloir vraiment aller trancher dans le vif et réfléchir à comment calmer les choses, recréer du lien, retrouver une réflexion qui soit florissante, créative. Ça, c'est vraiment important. Donc oui, ça vient confirmer qu'on est complètement enfermé à la maison. Donc reconfinement, ça confirme bien les choses. Donc il ne faut pas, là on vient nous parler, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire cette carte? Non, en fait, oui, je pense que je vais en tirer une autre pour venir faire une confirmation. Voilà. Voilà. Donc en fait, là, on nous parle de maîtrise matérielle. On a beaucoup de mal matériellement à maîtriser les choses. Alors matériellement, c'est-à-dire dans notre environnement. Extérieurement, on maîtrise rien. C'est ce qu'on vient de nous dire. Donc, sachant qu'on ne maîtrise rien, étant donné que quand même dessous, on a l'étoile qui est sur la place de l'étoile, hein, qui est à la bonne place,
on va se retrouver avec, puisqu'on maîtrise rien matériellement, il est peut-être temps de maîtriser les choses intérieurement. Extérieurement, on ne maîtrise pas, donc il est temps de se maîtriser intérieurement. Voilà, donc ça c'était l'information qui était donnée. Il y a, là on nous parle, en plus on est sur le fou, hein, donc on est sur le mât, on nous parle de nous, on nous parle de nous sur nos angoisses, on nous parle de nous sur nos choses cachées aussi, parce que la lune c'est aussi les choses cachées, les choses pas dévoilées, et c'est assez rigolo parce qu'on se retrouve avec notre valet de deniers, et notre valet de deniers, il vient nous parler de ce que l'on va découvrir au niveau matériel. Donc il y a, nous avons des choses à redécouvrir sur nous-mêmes. Hein, notre valet de denier, il porte un denier, mais il regarde ailleurs. En fait, c'est comme s'il ne se rendait même pas compte qu'il avait des potentialités dans les mains. Et il cherche, c'est un chercheur. Il va découvrir, il veut découvrir ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. Quelque part, je vais le dire comme ça de façon très naïve, mais quelque part, c'est un peu ça. Et donc, qu'est-ce qu'il vient découvrir, qu'est-ce que nous avons à découvrir sur nous-mêmes, qu'est-ce qui nous est caché. Allons découvrir ce qui nous est caché. Alors, que ce soit extérieurement ou intérieurement, allons découvrir ce qui nous est caché. Alors évidemment, sur notre soleil qui est aussi, voilà, les amitiés, l'extérieur, on a besoin de comprendre aussi spirituellement un petit peu ce qui est en train de se passer. Et on est en train de nous montrer clairement que bah, celle qui normalement maîtrise, hein, celle qui maîtrise émotionnellement aussi, celle qui maîtrise en tout cas la matérialité, la sexualité, la créativité, et eh bien là, elle est un petit peu en difficulté. Hein. Quand elle est retournée, ça ne veut pas dire qu'elle ne maîtrise pas, ça veut simplement dire qu'elle est en difficulté, ça l'affaiblit. Donc oui, on est un peu affaibli, on ne maîtrise pas grand-chose, ça vient nous redire encore la même chose. Eh bien, évidemment, on nous annonce qu'il n'y aura pas de nouvelles découvertes affectives, hein, c'est-à-dire qu'en gros, ben, on nous dit qu'on ne va pas aller vers les gens, qu'on va être avec notre prêtresse, hein, bien sûr, notre grande prêtresse, elle vient nous dire aussi, la papesse, que ben, on est un peu enfermé, et que ben, la même chose, hein, on vient nous rappeler que, ben, oui, émotionnellement, affectivement et émotionnellement, c'est un peu plus compliqué. Affectivement, on se sent pas vraiment dans la découverte. Loin de là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et puis, la carte de sortie, bah, je vous en ai parlé, on se sent un peu appauvri par tout ça. Alors, si je devais conclure ce mois de février, j'aurais tendance à dire qu'il y a de très très belles choses qui sont au niveau spirituel et énergétique essentielles. C'est-à-dire que ce mois de février vient nous dire de nous regarder nous-mêmes. Alors oui, il y a tout le contexte extérieur qui n'est pas facile, qui amène énormément de difficultés matérielles. Hein. La plupart du temps, les difficultés sont matérielles. On ne peut plus se créer comme on se créait avant, on ne peut plus agir comme on agissait avant, mais en même temps, eh bien, affectivement et émotionnellement, on vient nous dire, mais il est peut-être temps de se regarder. Il est peut-être temps de regarder comment on vit, comment on a eu l'habitude de vivre. Ça fait, voilà, ça fait un an. Qu'on nous dit la même chose et qu'on nous dit, mais regardez-vous dans votre spiritualité, regardez-vous dans vos énergies, regardez-vous dans vos émotions, parce que vos énergies, vos émotions et votre spiritualité, c'est ce qui crée le monde. Donc, si on vous retire les possibilités de création, et qu'il vous reste quoi? L'émotivité et la réflexion, ben, il est peut-être temps de réfléchir à vos émotions pour vous créer différemment. Et donc ça, c'est très très chouette parce qu'on va se retrouver sur un mois de février qui va nous demander de réfléchir sur nous-mêmes afin de mieux ressentir ce qui se passe en nous. Parce que ce qui se passe en nous, c'est ce qui se passe partout. Et si chacun d'entre nous modifie ce qui se passe en lui, on modifie ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est un très très beau message. Est-ce que chacun va le mettre en place ou pas? Voilà. Voilà les énergies du mois de février. À bientôt!